Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K23. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillement. Et dès le début, John Cena nous montre c'est qui le patron. Voilà, il a voulu nous montrer même doublement. Aujourd'hui, un combat proposé par un abonné. Si vous voulez laisser votre petit like pour le soutien, merci à vous. Et si vous avez envie de proposer votre match pour que ce soit fait dans un futur proche, bah, faites-vous plaisir parce que c'est le début de l'été, c'est les vacances. Et qui dit vacances dit qu'il y aura des vidéos, il va faire chaud. Donc moi, je vais devoir passer le temps avec cette chaleur. Donc faites-vous plaisir, même encore une fois, je le précise encore et encore, si votre vidéo a été faite, même si c'est celle-ci votre vidéo, proposez encore des commentaires, il n'y a pas de souci. Tant que vous proposez, moi, ce sera fait avec grand plaisir. Et aujourd'hui, Dimitri Martino, c'est qu'à l'époque, je me rappelle, hein, parce que je vois les abonnés qui proposent tout le temps, je disais Martinode. Et là, il a dit, attention, on prononce pas le D. Et vous faites bien de me le dire, parce que si je peux éviter d'écorcher votre nom de famille, si c'est bien nom de famille, eh bien, vous avez raison de me le dire. Donc Dimitri a proposé ce match, CM Punk, The Best in the World, face à John Cena, pour se rappeler des bons vieux souvenirs. Nous sommes à Money in the Bank et il y a un titre en jeu. Voilà, tout simple. Comment ne pas se prendre la tête? C'est des matchs qu'on propose souvent, mais qui sont toujours agréables à faire. Moi, j'aime bien. Donc faites-vous plaisir si vous voulez voir des choses en particulier, ou même si vous avez une storyline à proposer, qui n'est pas un mode spécifique qui propose ça, mais genre, ah bah tiens, lui, il a trompé la femme de l'autre. Il est venu le venger. Ajoutons du lore à tous ces combats. D'ailleurs, je pense que cette vidéo paraîtra avant, mais il y a quelques personnes qui me demandent est-ce que je vais faire le jeu AEW Fighting Forever. Eh bien oui. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un mode carrière, un genre un mode histoire et tout avec des cinématiques. Donc si c'est intéressant et traduit en français, même si c'est pas traduit, au pire, bah, on peut quand même le faire. Hein. Mais si c'est traduit en français, eh bien... on fera un mode carrière. En plus, c'est bien, ça fera un petit let's play de l'été. En plus de la carrière masculine et féminine qu'on a une sur 2K23, pardon. Donc on verra comment ça va se passer. Même si le jeu est quand même différent de WWE 2K. Parce que c'est un peu plus arcade. Mais c'est ceux qui ont fait les anciens WWE. Ceux qui ont fait SmackDown vs Raw. Ceux qui ont fait tous les jeux de WWE 2K avant 2K... La dernière, c'était 2K19. Donc c'est de la qualité. Après... ce sera moins joli, moins réaliste, mais moi je... tant qu'il y a des jeux à faire, on teste. Bon, par contre là, en parlant de jeux à faire, je suis en train de me faire détruire par John Cena. J'espère que je vais réussir. Allez, on se réveille. CM Punk, le grand champion. On perd pas de temps. Et tu vois, le problème de John Cena, c'est que je mets une heure pour le contrer, comme d'hab. Et lui, en quelques instants, il y arrive. Après, il y a une différence de note générale. La CM Punk, il a une de 88, ce qui est quand même très élevé. Hein. En fait, c'est pas la note qui fait le truc. John a... Allez, ah, là-bas, je voulais passer par-dessus la troisième corde. J'appuie sur carré au lieu de faire rond. Grosse erreur. C'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas bon, ça. Allez, CM Punk. En plus, on est à Chicago, d'après mes sources. Oh là là, la grosse patate. Ah, il le sait, il sait que je vais rouler, hein. Il sait que je vais faire une John Wick. Il le sait bien. Bon bah, ce début de match, pour l'instant, est complètement catastrophique, mais bah, c'est mieux d'avoir ça, et qu'après je remonte, je vais remonter la pente. Vous allez voir. C'est bon. Ah mais laisse-moi tranquille. J'ai dit, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Allez, petit coup de coude là qui est bien passé. Let's go! C'est bon, c'est là. Remontada, je vous le dis, faites-moi confiance. Je lui laisse plus aucune chance. Alors, est-ce que ça va re-break? Non, on va pas réussir à l'avoir, loin de là. Mais ça fait du bien. Je vais faire une petite soumission comme ça. On a réussi à une belle chose. Par contre, de son côté, tout va bien aussi. Et ouais, faut avoir la foi.
Mais non, mais comment ça? Mais dans quel monde on vit? Je vous le dis, moi, dans quel monde on vit? Cours! Cours, s'il y a... Ah, mais... Mais comment? Je fais une petite pause. Comme d'hab, la crampe est arrivée. Sur son cheval, tiens! Tu voulais faire un hey-hey? Pour qui tu te prends? Vilebrequin! Aïe, aïe! Là aussi, j'étais quasi sûr d'avoir contré, mais peut-être un tout petit peu tard, peut-être bien. Par contre, les deux superstars marquent bien, leur corps est assez rouge. Oh non, oh non, oh ça va être chaud, oh ça va être très très chaud. Ah c'est bon, ma révolte est passée. Vous avez vu, j'ai tellement voulu faire une révolte rapidement que j'ai aussi appuyé sur start. J'étais tellement en panique. Voilà. Il n'y a pas de mal à être paniqué un petit peu. Bon, par contre, on peut voir que ma barre de vie est au plus bas. Il va falloir se travailler ça. Allez, donne tout, donne tout, donne tout là. C'est maintenant. Oh, mais il me laisse pas. Oh, c'est moi où ils sont. Vous êtes fatigués ou quoi, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est que je vois leur endurance. Mais ça fait réaliste. Et qu'ils tapent tout doucement. Déjà, ils sont plus tout jeunes. En plus de ça, le combat peut durer. Ils donnent tout depuis le début. J'attends dans le public des Let's Go, Sina! Moi, je suis pas d'accord avec ça. Calmez-vous deux petites secondes. Ah ouais, il est vif. Il est vif comme un lion. Alors, on va passer en paralysie, hein, bien sûr. Ou pas. Bien joué. Ça, c'est le coup qu'il faut placer tout le temps. Madame l'arbitre, est-ce que ça vous dirait pas de savourer? Savourez ce que vous voyez. Eh ouais, ça c'est bien parce qu'on lui a fait utiliser sa révolte à lui aussi. Ça veut dire que maintenant, on est à. Les jeux sont remis à zéro. À vous les studios. Par contre, il serait très intéressant de pouvoir retourner sur le ring. Oh, il va m'éclater! Heureusement que j'ai la. Ah bah, il a été fair play. Je suis assez étonné. Bien joué. Mais en plus, il y a pas mal de finishers. Non, non, non. John, 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 John. Attention! Attention! C'est fini. Je suis désolé. Ah, j'ai tout donné! J'ai tout donné! Malheureusement, parfois il y a des matchs comme ça, t'as beau tout essayer. Bah, l'ordinateur est plus fort que toi. Et là, ça a été le cas. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. C'était un beau match, une nouvelle fois. Je répète assez souvent, hein. La victoire c'est beau, mais quand on a un match de cette qualité, où je me suis bien amusé, c'était difficile et tout. Ah, moi j'aime bien. Je passe un bon moment, j'espère que Dimitri aussi, de toute façon il a l'habitude, hein. Je vois sur beaucoup beaucoup de commentaires, il sait que je gagne ou que je perde. Le principal, c'est de passer du bon temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!